tout le monde s'inspire d'Afrique. Tout le monde parle d'Afrique, tout le monde aime l'Afrique. Parfois, tout le monde crache sur l'Afrique. Et quand on veut faire avec l'Afrique, parfois ils font sans les Africains. Parfois, ils trouvent ça dommage. For nearly two decades, Cameroonian designer Imane Aisi has been turning traditional African fabrics into made-to-order women's wear. In January 2020, he became the first sub-Saharan African designer to present his collection at the Paris Haute Couture Fashion Week. Ça fait plus de 28 ans que je me bats. J'ai sacrifié ma vie à ce que je fais. Le temps est arrivé que quelque chose est tombé sur moi, que la Fédération de la Haute Couture Française me donnait une place, m'ouvrait la porte. Aisi started young, making outfits for his mother, a former winner of the Miss Cameroon beauty pageant in the 1960s. Quand j'ai commencé à dessiner très tôt, genre je faisais des petits dessins au sol, tout ça, et après ça, j'ai commencé à piquer un peu les vêtements de ma maman que j'ai découpé. J'avais eu des punitions pour ça, mais beaucoup plus tard, quand elle avait vu qu'il y avait quelque chose, elle a fini par me confier ses vêtements pour donner une seconde vie. The designer moved to Paris in his 20s to pursue a dancing career. Drifting into modeling, he walked the runway for high-end French fashion houses like Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Givenchy, and Lanvin. Aisi later decided to devote himself fully to working as a designer, defining a style he described as minimal, refined, and elegant. He also sources many of the fabrics directly from workshops in West Africa, providing jobs for local artisans. Là, c'est ce qu'il a porté avec des tissus puisés dans le patrimoine textile africain qui est si riche et si profond, avec des matières comme le raffia. On avait des magnifiques jupes en raffia, des manteaux en raffia. Donc avec ce patrimoine textile et sa propre créativité, son propre regard, il a, je pense, fait souffler un vent nouveau qui était très bienvenu. Aisi's collection was chosen to close the 2020 Paris Haute Couture Fashion Week. To a packed house, models showed off pieces featuring striped Faso Danfani from Burkina Faso and embroidered Kente from Ghana. C'est d'abord les Africains eux-mêmes qui doivent faire ce qu'il faut faire, je pense. Donc à mon niveau, j'essaie de faire comme je peux, de montrer les vraies choses, les vrais tissus africains, raconter des histoires, faire des recherches, et ceci, cela. Et je crois que c'est important. Moi, je me rééduque. On essaie aussi de rééduquer les autres, faire découvrir des choses qui sont peut-être moins connues aux yeux du monde.